Eh bien salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur Red Dead Redemption 2 et on est parti pour notre 5e épisode. Souvenez-vous, l'épisode 4 était une sacrée galère, non seulement à tourner mais surtout à rendre, étant donné qu'il y a eu pas mal de cuts. J'ai été boubourse, mais j'ai aussi eu quelques complications au niveau des restart missions qui étaient un véritable enfer, mais c'est pas grave, on passe à autre chose, on ne va pas rester là-dessus 105 ans, comme disait Oncle Benz. On est parti pour la suite. Allez, réveil au camp, incroyable. On va aller parler... Je suis pas loin. Une mission facultative est désormais disponible. Je suis pas loin du camp. On va récupérer notre pur sang parce qu'il est très très beau. Il est même magnifique. Je pense qu'il y a des choses à dire maintenant. Et on va ouvrir tout simplement la carte. Hop. Donc, où est le camp? Ouais, il est à côté. Ça va, il est à côté. Alors, on va faire quelle mission? Moi, je vous propose la mission de... Kieran... convainquez Kieran de vous donner des informations sur les O'Driscoll. Ça, c'était pas mal. C'est la continuité du saloon, me semble-t-il. Et on a Léopold aussi qui dit « Strauss veut s'entretenir avec vous. » Très, très bien. L'usure et autres péchés. Et on avait une mission aussi par ici, près des rails de chemin de fer. OCA vous a dit que Swanson avait trouvé quelque chose à la gare près du lac. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense qu'on va faire celle-ci pour après aller vraiment dans les missions où on va commencer à faire des braquages. Évidemment, il faudrait que je réussisse à trouver une boutique pour mettre un chapeau parce que j'adore les chapeaux. Qu'est-ce que c'est? Attendez, il y a quelqu'un qui se fait carjack. Il est où? Aïe! Putain! Ok, bon! C'est bon? Alerte! Emplacement de sauvegarde! Bon, bah ça vous connaissez. Maintenant, je préfère sauvegarder manuellement, sinon je me fais arracher. C'est fait! Putain, il y a les marques de griffure. Insane! Insane! Ok. Bon, lui, on va le prendre. On va prendre le gros félin. De rien, mon frérot. Tu veux quoi? Tu veux me donner de l'argent, frère? Je l'ai salué. Il est parti. Hein. Ok. J'ai clairement pris ma part. On va récupérer calmement sa vie. Oh, mon pur sang, il a... Il m'a laissé clairement tout seul, ce petit bâtard. Ok, il commence à faire nuit, c'est bon, on récupère sa vie, vous inquiétez pas. Waouh! C'était compliqué cette histoire. C'était clairement compliqué. Mais là, on va aller où là? Non. Oh putain de merde. On va passer par ici calmement. Putain, mais on va jamais y arriver à ce camp, hein. C'est terrible. Hein. Va falloir faire attention, il y a énormément de brume. Trop bien fait, c'est la première fois qu'on a la brume sur cette aventure. Je suis pas bien, hein, les gars. Je vais essayer de récupérer... Ok, il y a du monde ici. Attendez, bougez pas. On va récupérer notre vie, quand même. On va prendre ça, je pense. Voilà. Ça, c'est bon, ça. Et puis, on récupérera petit à petit. Ne vous inquiétez pas. J'ai ramené, quand même, un cougar au camp. Et ça, c'est plutôt cool. Par contre, qu'est-ce que je fous là d'où Jésus de Nazareth? Qu'est-ce que je fous là? Attention, prends pas l'arbre, s'il te plaît. Mais... Qu'est-ce que... Attendez, mais je suis totalement débile, je crois. Mais qu'est-ce que je fous là? Merde! C'est terrible! Ok. On va aller sur la bonne route. Je me disais, c'est bizarre, je reconnais pas. Ça me paraissait pas si loin que ça. Vous avez découvert l'emplacement d'un poisson légendaire. On adore les poissons par ici. Revenez plus tard si vous voulez le choper, évidemment. Donc, pas de soucis. On sait qu'un poisson légendaire se trouve par là. Mais avant cela, on va récupérer... On va passer par ici, je pense que ça me permet. Je pense que c'est le chemin le plus adéquat, n'est-ce pas? Ah, mais avec la brume, on voit que dalle. Okay. Calme-toi, calme-toi, tornade, calme-toi. Tornade, tu m'as fait tomber tout à l'heure quand on était en situation précaire. Je commence à me dire que je peux pas te faire confiance, Tornade. Et ça me fait mal. Il y a des moutons.
il n'y a pas le berger. Ok, ils surveillent, hein, ils surveillent le camp. Nous voici arrivés au camp. Très très bien. Bon. On va aller se poser dans le terre-terre. Voilà, on va attacher le cheval. Moi, je fais les choses en règle par ici. Oh, les effets de lumière assez insane. On va retirer le cougar. Aucun problème. Hop, laisse-moi le prendre. Et on va l'amener, évidemment, au camp. Voilà. Bon. Où c'est que je peux l'emmener? Il est où, là? Il est là-haut. Il est totalement à droite, il me semble. Je crois voir un truc de boucherie. Oh, oh oui, je vois un hachoir, frère. Il est assez terrible. On l'emmène où? On l'emmène ici, peut-être, non? Améliorer l'artisanat. Non, c'est pas là? Amélioration d'artisanat, excusez-moi. Attends, peut-être juste derrière, je pense. Peut-être ici. J'ai une putain de cougar sur le dos, les gars! Va falloir m'aider à m'en débarrasser, hein! Ah, peut-être le repas. Peut-être le signe du repas. Mais non, ça c'est pour cuisiner. Putain, c'est terrible. C'est terrible! Ok. Peut-être un petit peu... Ouais, c'est pas grave, on va se balader avec les frères. Hein. J'en ai rien à foutre. Hein. Ah, mais non, donner. Donner pour les provisions. D'accord. Ok, on donne. Bah, en vrai, cadavre de cougar en mauvais état. Donner. On peut tout donner en vrai, non? Vous en pensez quoi? Tout ce qui est peau. Chair de poisson maigre. De la viande. Encore une peau. Ça me paraît pas mal, ça, pour le camp. Qu'en pensez-vous des ribs? On adore le ribs. Voilà, on est pas mal. Hop, ça c'est fait, c'est donné, mon frère. Ok, maintenant on fait quoi? On a dit qu'on allait voir qui? Rappelez-moi, c'était pas K. C'était notre ami, juste à côté. Je ne sais plus comment il s'appelle, parce qu'ils ont des noms terribles par ici. T'en me raconte pas ta vie, sœur. Rien à foutre, il était par là. C'est plus du tout... Ah, il voulait voilà. Il voulait me parler. Ah, c'est tellement stylé. En vrai, c'est le boss de ouf. Mr. Strauss, you busy, my friend? Why? I'll cut you in. Loaning. Already? You know how it is. People is happy to borrow off someone like me, but more enthusiastic paying back to someone like you. Of course. Who are they? Let me see. A Chick Matthews works at Guthrie Farm. He's a hand, I believe. Mr. Roble, the small holder at Painted Sky, runs the operations there. Badly. Miss Lily Millet is a ranch maid up at Emerald Ranch. And here was me believing Dutch's bluster about us helping folk. It's legal work, Mr. Morgan. Debtors belong in prison. We are doing them a favor. And I'll make sure they see it in them terms. D'accord, bon, des mauvais payeurs, ils nous doivent délover, ils nous doivent délover. Les individus qui doivent de l'argent à la bande sont indiqués sur la carte par l'icône LS. Retrouvez-les pour les forcer à payer leurs dettes, évidemment. Il faut payer au bout d'un moment. Bon, on va les forcer à payer, aucun problème. J'ai trouvé comment on donne de la nourriture, c'est la première fois que je donne de la nourriture. Et je me suis enfin débarrassé de la peau qui était sur le dos de mon cheval. Et ça, c'est incroyable. On récupère le cheval. Ah, ils sont plusieurs mauvais payeurs. Les icônes radar qui couvrent de larges zones indiquent que les dernières devraient être fouillées. Très bien, on va ouvrir la carte, histoire de voir un petit peu où sont ces mauvais payeurs. Et il y en a partout. Il y en a un là, en plus c'est une zone où on n'a jamais été. Ça c'est plutôt cool, donc on va y aller. On va y aller calmement. Et j'ai une question, est-ce que d'après vous, si je fais ça, ça suit le chemin? On va aller voir très rapidement. J'ai l'impression que ça suit un chemin. Mais est-ce que ça suit un bon chemin? Ça suit le chemin. Ça suit le chemin. Direction en vue cinématique pour aller voir ces mauvais payeurs. Il y en a un à côté d'un autre. Donc c'est plutôt cool. Normalement... Attends, j'ai peur là. Il prend des directions un peu binaires. Si je puis me permettre de l'appeler ainsi. Normalement c'est la bonne direction. Mais m'emmène pas à l'autre bout de la map si je l'ai pas demandé, frérot. Tu me décevrais énormément. Et regardez comme c'est beau. Même pas...
Franchement, pas besoin de passer en vue cinématique. Allez, on va dire que ça retire la TH. Ça donne ce petit côté un petit peu sublime, si je puis me permettre. Mais pour résumer le jeu, parce que vous êtes très nombreux à me dire, B-Boy, qu'est-ce que t'en penses pour le moment? Alors, 4-5 épisodes, voire 6. Allez, j'arrondis à 10 parce que c'est vous, je peux pas monter au-dessus. C'est très difficile de juger un jeu Rockstar. Clairement, pour le peu, entre guillemets, qu'on en a vu ensemble pour le moment, c'est très complet, c'est magnifique. Il y a des, voilà, il faut le dire, le jeu est très très beau pour de la PS4 qui, je le rappelle, est déjà en fin de vie, hein, on va pas se mentir. Voilà, je prends des claques. Il y a peut-être un peu trop de choses à retenir, mais bon, avec le temps, ça va arriver, je pense que c'est pas un problème. Mais en tout cas, voilà, clairement, c'est une claque. Ils ont créé un tout nouveau standard. Je pense que là, Rockstar, stop. Rockstar a fait très, 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 très fort. Très bien, on y est déjà presque. Ah, c'est assez rapide. Je m'attendais à ce que ça soit un petit peu plus loin. On y va calmement, on va laisser mon cheval se reposer. Il y a du sang sur... Ouais, d'ailleurs, pourquoi il y a du sang sur son dos? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est peut-être la... le cougar qui était en sale état. Ok, on a la ferme. Ça fait peur, hein. On a la ferme ici. On va voir un petit peu ce qui se passe. Complètement malade. Regardez comme c'est magnifique. Je trouve ça incroyable. Bâton de dynamite pour chasser, c'est pas ouf. Par contre, ça... Ok. C'est pas mal, ça. C'est pas mal. On va le... On va les ramasser. En plus, je les ai pris à l'arc. C'est plutôt cool. C'est des rongeurs. Hein. C'est de simples rongeurs. Mais ça, c'est de la bouffe. J'appelle mon cheval. Hop. Voilà, chargé. Cheval, tu gardes ça, frérot. La chasse fait partie du jeu, les gars. Hein. Bah ouais. Il faut. Et on va en prendre un de l'autre côté. Ça sera très, très bien. Et on va le charger de l'autre côté. Comme ça, c'est équilibre le cheval. Ah bah les gars, nous on est très technique, hein, évidemment. Nous on est très pointilleux. Ok. Très très bien. On est parti direction la ferme. Oh, j'aurais pu cueillir ici. On étudiera ça peut-être un petit peu plus tard. Alors, c'est qui paye ma part ici là? Quelqu'un veut me tester dans le quartier peut-être? Bougez pas. On va tester ça, je pense. Voilà, ça me paraît pas mal pour convaincre les gens. On va fouiller là-dedans. Un des débiteurs de Strauss a été aperçu dans cette zone. Fouillez-la pour le retrouver et récupérer la dette. Très bien. Strauss. Qui doit de l'argent? Hop, désolé. Hein. C'était mon petit côté un peu sauvage. Vous pouvez parler aux gens que vous croisez pour essayer de trouver le débiteur. Très bien. Faut-il croiser des gens? Ah, c'était peut-être parce que c'était derrière la maison que c'était fermé. Ok. De toute évidence, on peut rentrer dedans, mais tout est fermé. Il est où, ce petit bâtard? Là, on a quelqu'un. Questionné. You chick? I was told I could find a chick Matthews up here. Chick Matthews? Might wanna talk to that fella. Allez parler au type là-bas. I'm just here to work for the season. Moi, je suis là pour la saison. Très bien. Ah, Matthews, tu m'attendais, frérot. Bah alors. Hop, j'ai sauté devant lui pour l'impressionner. Ce blanc bête là-bas. Putain, mais quel chien. Ok. Ok, comment on va faire? De toute évidence, je ne peux pas tirer dans son cheval. Oh, j'ai cru que j'allais mourir. Comment on peut faire? Ok. Comment on peut faire? Je vais le follow et puis on verra. On verra où il mène. Pisse-toi. You make me go much further. I'll get more than a dead off you. You're too slow, old man. Vous êtes trop lent, grand-père. Il me provoque et je suis à deux doigts de tirer. Il me provoque et je suis à deux doigts de tirer. Il me provoque et je suis à deux doigts de tirer. The more I chase, the more you owe.
Il me provoque et je suis à deux doigts de tirer. On peut sauter dans le train, c'est incroyable. Ok. Allez, tu te calmes. Tu comprends quand je parle ou pas, frère? Tu comprends quand je te parle? D'accord, je préfère. Allez, casse-toi, je vais plus te voir. Carte au trésor de Chick. Ok, vous pouvez interagir avec certains objets en appuyant sur croix lorsque sont sélectionnés dans la sacoche. Très bien, j'ai pas spécialement envie d'interagir avec prendre la carabine non plus. Très bien, on va remonter sur Tornade. Ça c'est fait, on a réussi à récupérer une des cartes. Ils vont tous donner une carte parce que c'est très très chiant quand même. Je me doute qu'ils ont pas de carte de crédit sur eux, mais enfin. Il m'emmenait où ce con? Attendez. Ah putain, on est en phase de tuto. Vous pouvez interagir avec certains. Ok, en maintenant croix, très bien. Et ensuite je fais quoi? Ouvrez la sacoche. Attendez. Voilà, il faut être à terre et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez interagir avec certains objets en appuyant sur croix lorsqu'ils sont sélectionnés dans la sacoche. Inventaire du cheval. Je suppose que c'est ça. Carte au trésor. Carte au trésor de Chick. Très bien, on l'a. Bon! Ok, c'est un mystère total. Si quelque chose venait à m'arriver, mes possessions terrestres sont cachées ici. Un arbre? Retourner peut-être, non, je sais pas. Non, très bien. Un arbre près d'une route. 1, 2. Alors, 1. Un arbre près d'une route. Là, on voit un croisement. Là, la petite cabane, je pense que c'est chez lui. Très, très bien. Rejoignez la zone indiquée sur la carte. D'accord, on est encore dans la quête, c'est pour ça. On y va. Première fois qu'il pleut aussi dans le jeu, me semble-t-il. Il a neigé, maintenant il pleut. D'ailleurs, est-ce qu'on pourra retourner dans la zone de neige? Ça pourrait être, je pense, intéressant à l'avenir. Pourquoi pas, ça pourrait être très très cool. Waouh! Ok, c'est un lac, il faut vraiment que j'arrête de faire du putain de hors-piste. Parce que, les gars, on va canner. Hein. On va canner à faire ces conneries. Bon! Ah, mais c'est juste à côté. C'est juste à côté. On va prendre la hauteur. Fouiller la zone en surveillance. Ok. C'est ici, je l'ai. Aucun problème. Allez, fouiller. Allez, Strauss, il est heureux, frère. Argent de la dette. Les animaux placés sur votre cheval vont commencer à se décomposer. Vendez-les avant que ça n'arrive. Non, mais attendez, les gars. On vient juste de faire une quête. Rapporter la dette pour financer le camp ou encaisser une autre dette. Ok, très bien. Bon, je veux bien. Tata, qu'est-ce qu'on a là? On va rapporter ça au camp. Ah, mais là, il y a une autre dette. Et elle est vraiment pas loin pour le coup. Donc, c'est Lily Millet. On va aller la voir. On va faire deux dettes. Et puis, ça sera déjà pas mal pour le camp, je pense. Ok, allez, toujours tout droit. L'hors-piste est très, très, très dangereux sur ce Red Dead. Vraiment, il est fortement conseillé de prendre les routes. Bon, je tente un peu de faire le fou. Est-ce que c'est parce qu'il a plu qu'il y a ce lac, vous croyez? J'en ai bien l'impression. Non, pas du tout. Pas du tout, parce que c'est affiché sur la carte. Donc, ça n'a pas changé. Dommage. C'est dommage. J'aurais bien voulu que ça crée, pas des plaques d'eau, mais un petit peu plus grand, tu vois. Des petits étangs. Ça pourrait être plutôt cool. C'est dur, putain. Nous, on va tout droit, on s'en bat les couilles. Mon cheval, il est totalement épuisé. Et elle est juste ici, la Lily. Cherchez Lily. Bon. Et cette fois-ci, ils ont pas intérêt à me carotter. Hein. Ok. 9 degrés Celsius par ici. Ok. Confronté. Lily, where's our money? What? That loan you took. It's payday. I'm sorry. C'est le jour de paye. I don't have it right now. Well then,
I guess we got a big problem, don't we? Cooper, give him what you've got. I ain't giving him nothing except a lesson in damn manners. Ah, d'accord. Salaud. Oh, alors, je vais te piquer ton chapeau après, petit bâtard. Allez. Ok, ça c'est une esquive, ça. Hein. Ok. Oh, oh, tu te bats bien, toi. Hein. Tu te bats bien, Cooper. Allez, ça dégage. Voilà. Allez. Bon, Cooper, déjà on va te fouiller. Ensuite, ton chapeau, il est mien. Oh, il est dégueulasse, mais bon. Ok, ensuite on prend ce chapeau. Je te l'avais dit, Cooper. J'ai qu'une parole, il est dégueulasse. Ah bah maintenant, c'est redevenu inconnu. Et on va réprimander. Et ben voilà, on a réprimandé. Il y a eu un témoin d'un braquage. J'ai pas braqué. Calme-toi, toi, avec ton chien. J'adore les chiens, j'ai pas envie de lui faire du mal. Va falloir se calmer. Si un témoin vous voit commettre un crime, il sera représenté par un œil. S'il signale votre crime, les autorités se mettront à votre poursuite. Bon, je vois qu'il y a encore autre chose à régler. Pas de soucis. T'es parti où, mon frérot? Viens par ici. Tu me parais bien loin. Non mais d'où tu m'as vu de là-bas? Tu te fous de ma gueule? This ain't good. You stop right where you are. Hey, just walk away, partner. Ah bah voilà. On va le menacer. You forget what you saw right now. Stop. You'll make me kill you. You could have quit. Ah! Putain, salopard! Salope! On va le fouiller. Ah, je m'attendais pas à ça! Il avait un flingue, en plus, j'étais en train de me dire. C'est bien un cheval qu'il a. C'est bien un flingue qu'il a là. Hop, bah, je vais prendre ton chapeau. Hein. On va échanger. Hein. Hop, ça dégage celui-là. Oh oui! Il me va beaucoup mieux, merci! Mon cher témoin! Bon, un peu compliqué cette petite histoire. Je prends ma part, de toutes parts, si je puis me permettre. Mais je vous avoue, je regardais en plus, j'étais là en mode. Non, c'est pas un flingue qu'il a. Enfin, il va pas l'utiliser. C'est juste un témoin, finalement, tu vois. Non, non, il l'a utilisé. Il m'a littéralement en une culette. Direction donc le cheval. Et on va rentrer, rendre les dettes, évidemment. Et puis voilà, c'est plutôt cool. On aura plutôt bien avancé à ce niveau-là. Quoique, il en reste une encore. Si on veut faire le bon boulot, on le fait bien. Et moi, je suis fan de bon boulot. Donc, on va aller récupérer la dernière dette qui est quasi... pas si loin que ça, en vrai. Pas si loin que ça. Allez, on y va. On va se mettre sur la bonne route. On va passer en vue cinématique. Et on peut maintenant cavaler nos grands morts. Donc, comme je vous disais, l'avantage de la vue cinématique, c'est qu'on peut discuter aussi calmement. On va récupérer la troisième dette, comme ça on aura fait le boulot convenablement et proprement pour le camp. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est une mission vraiment... Là, sur le coup, c'est un épisode détente. C'est un épisode balade. On menace des gens pour récupérer de l'argent. C'est une bonne journée, je pense. Hein. On est bien d'accord là-dessus. Donc le jeu, voilà, clairement, c'est du Rockstar. Magnifique, vraiment impressionnant. On est en plus dans un réalisme. Bon, j'ai pas vécu en 1899 pour vous dire ça, mais enfin, je veux dire... Tout est respecté, il n'y a pas de téléportation abusée à gauche ou à droite. C'est d'ailleurs peut-être même un peu long, si vous voyez ce que je veux dire, pour aller à certains endroits. Mais ça fait partie du jeu, ça fait partie du délire de l'époque. C'était comme ça, c'était des balades à cheval. Et clairement, ils ont poussé le réalisme à des nouveaux standards, vraiment. Quand je dis nouveaux standards... Non, putain, t'es chiant! Quand je dis nouveaux standards, c'est rien. Il est épuisé, je peux comprendre aussi. Petit côté américain qui a parlé. Regardez ces grosses couilles, putain, ça c'est du pur sang. Hein. Ça c'est du pur sang. Donc quand je dis nouveau standard, ça veut dire que maintenant, si par exemple, je vais vous dire une bêtise, Square Enix se décide de sortir un open world, donc un petit peu à la Sleeping Dog ou autre. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? On va l'aider. Bien sûr que je vais t'aider, t'inquiète pas. Si Square Enix par exemple décide de sortir un nouvel open world, bah va falloir qu'ils mettent la barre bien haute. Parce que sinon, ça risque d'être compliqué. Mon cheval s'est effondré, je ne sais pas pourquoi. C'est celui de mon ami. Bah alors? Ok. Et tu veux que je fasse quoi, ma sœur?
Are you going to help? Bah si. I'll see what I can do. Mais là, tes jambes, normalement, c'est de la compote, hein. Ok, tapoter pour soulever le cheval. Yes, just lift as hard as Et ben voilà, un petit plus, hein. Nous gagnons respect. Oh. Doucement, doucement. Oh, that was okay. Bad. Tellement classe, mon nouveau chapeau. Regardez mon cheval, il danse. Oh, you poor... C'est une boîte de nuit dans sa tête, hein. Animal. Et ben voilà, on l'a aidé. Allez, casse-toi, je veux plus te voir. Je veux plus te voir. Bon, je m'en bats les couilles, hein. C'est ton problème. Je t'ai aidé, en tout cas, merci. Allez, hop, ça dégage. Y'a pas de soucis. Donc, comme je disais, voilà. Si un éditeur veut sortir une nouvelle fois un open world, clairement, le standard est haut. Tu vas pas pouvoir sortir un Sleeping Dog 2 avec juste des graphismes améliorés par rapport au 1. Sleeping Dog était un bon jeu, ce n'est pas le problème. C'est toujours d'ailleurs un bon jeu. Il est sorti sur PS4 après, mais voilà. C'est des délires différents, c'est pas le Far West, hein, ou c'est pas les mêmes villes ou autres, mais il y a quand même un certain standard. Maintenant, les gens, après avoir joué à un Red Dead 2, après avoir joué à un GTA 5 ou autre, ils s'attendent à un minimum. C'est ce qu'il va falloir respecter, parce que sinon le minimum, il n'est pas respecté, ça risque d'être assez terrible. Mon cheval fait du hors-piste, il s'est dit, franchement frère, je tente. Attends, on va ouvrir la carte. C'est bien ce que je pensais. C'est bien ce que je pensais. On est totalement parti hors-piste. Yeah. Et on va passer par ici, voilà. C'est à cause de la charrette, si je puis me permettre cette expression. Donc, quoi qu'il arrive, on est vraiment dans un degré de détail juste fou. C'est pas, voilà, c'est pas une vidéo test, c'est mon avis. Et par contre, ça peut carrément être déroutant, je vais être très honnête avec vous. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai pas énormément de temps, hormis vous faire les let's play que je fais avec grand plaisir, ou les jeux que j'ai envie de faire avec vous. Donc je joue pas spécialement en dehors des lives ou des vidéos. Je rappelle que je live tous les soirs sur Twitch. Et, petit passage publicitaire, et forcément, bah, quand t'as peut-être que 30 minutes ou une heure devant toi, c'est assez difficile de jouer à Red Dead 2 parce que t'as une frustration. Tu joues que 30 minutes, t'es là en mode, putain, j'aurais bien voulu continuer, je commençais seulement à me mettre dedans, à comprendre un peu tel principe ou voilà tel fonctionnement et tout. Et c'est limite un peu embêtant. Y'a Bill ? Ah bah oui, faut que je passe par le camp. Faut que je passe par le camp. On va pas lui rendre la dette tout de suite. On va vraiment faire les trois. Comme ça, on aura un épisode vraiment complet, je pense. C'est plutôt sympa. Donc, on va faire le troisième. Là, c'était plus... Non, c'est bon, calme-toi. Donc là, c'était plutôt cool parce que, voilà, c'était un mec qui devait une dette. Il m'a pris pour un bolos. Il m'a dit que c'était le gars qui était assis, alors que pas du tout. Ensuite, il y avait la dame. Elle a carrément envoyé Cooper, son mari, ou voilà, on sait pas qui, ou son pote, pour essayer de me défoncer. Et là, on va voir le troisième, un peu ce qu'ils ont été chercher. Mais c'est diversifié, même dans une mission. Je me doute qu'à force, c'est redondant quand même. Voilà, bah, la mission de Strauss, si je peux vous rassurer, on va pas en faire 10 000 épisodes. Mais ils ont quand même cherché de la diversité. Et pour une première, c'est plutôt pas trop mal. Ça nous fait un épisode complet et très sympa. On y va, les gars. On va récupérer notre troisième dette. Et après, on va pouvoir s'arrêter. Enfin, on va ramener tout ça au camp. Et on va pouvoir s'arrêter là. Calme-toi. Putain, c'est magnifique! On va attendre qu'il récupère sa jauge d'endurance. Peut-être aussi, pourquoi pas ramener. Ah oui, mais putain, quitte à être au camp, j'aurais dû ramener. Merde, j'ai été bête. On peut passer par ici. Oh, bah nickel, on va le faire passer dans l'eau. Ça va le nettoyer. Impeccable. Et on va pouvoir aller. Notre mission, elle est pas loin. Je crois qu'il reste un truc à traverser. À tout péter. Et c'est juste derrière. Ça doit être une autre petite ferme. Un petit truc très sympa. Mais c'est pour vous dire. On rebondit à ce qu'on avait dit à l'épisode précédent. Vous imaginez qu'en 118 ans, hein, voilà, on est passé de ce que vous voyez là, nature, décor et tout, à au New York que vous connaissez maintenant, Los Angeles que vous connaissez, des villes gigantesques et tout. Ça s'est peuplé tellement vite, ça s'est construit tellement vite, je trouve ça vraiment incroyable. Ok, je vais sortir mon flingue parce que j'en ai marre de me faire enculer à chaque fois dans ces histoires. Ça va se passer là-dedans, vous croyez? Je pense pas. Hein. Knock, knock, Mr. Robe. Oh! Qui est-ce? I'm here on behalf of Leopold Strauss. Oh, je. Mon entrée était incroyable! Leopold Strauss. Nie mam pieniędzy. God
Damn it, you don't speak English, do you? Tabasser, menacer. Ok, bon, on va le tabasser s'il comprend pas la langue. Now, you remember where you're keeping that silver? Potrzebuję trochę czasu, znajdę ci pieniądze. Oh, still don't understand you. Allez, fais un effort, hein. Tu dois bien connaître un ou deux mots anglais. Nie rób tego. I have nothing. Fais un petit effort encore, je suis à deux doigts de... Je commence à m'énerver, là. Il commence à me gonfler, hein. Non, please no, no have money, but have this. Ouais. It's good, it's valuable, it's Warszawa, yes. I have your things, okay? I have. Oh, mets-moi pas de coup de pression, frère. Yes. Bon, très bien, fouiller la maison. Eh ben, on va fouiller cette petite maison bien sympa. Donc, ce monsieur n'a pas d'argent. On va ramasser tout ce qu'il a d'intéressant. Voilà, brandy de qualité, ça c'est plutôt cool. On prend. Ok. Beaucoup de valeur, bien. Pas assez, mon pote, pas assez. Ah, les chaises, par contre, sont très résistantes dans le jeu, hein, évidemment. On peut pas vraiment les bouger. Ah, on a quelque chose ici. Fouiller le tiroir. Il y a forcément quelque chose de valeur. On va prendre une montre ancienne. Non. Arrête. Yes. Voilà. Et ouais, on est pourri jusqu'au bout, mon frérot. C'est comme ça, tu dois de l'argent. Rien à foutre. Ok, ça devrait about cover things. Allez, je te laisse ton dernier meuble, t'as de la chance. Et voilà, c'est fait. Ah, c'était très sympa ça, j'ai bien kiffé. Rentrer dans la maison d'un Polonais au Kalmzer et lui mettre sa misère. Ça, c'était vraiment plutôt pas mal. On y va, on se casse. J'ai eu zéro pitié, hein, ce petit bâtard. Hein. Il parlait, il avait les bases en anglais, il faisait pas d'efforts. Au bout d'un moment, tu fais pas d'efforts, tu payes. C'est comme ça que ça se passe chez McDonald's. Passer par ici pour traverser tellement. Ah, j'aurais peut-être pu prendre ça. Ah, il y a des canards. Incroyable. Et on va tout ramener au camp tranquillement. Normalement, ça devrait le faire. On y est bientôt. Bon, c'est passé plutôt bien, je trouve. Les petites missions de Strauss. Évidemment, on va pas en faire beaucoup. Il faut savoir que là, on comprend le rôle de chacun, en fait, dans le camp. Donc, il y a l'oncle, il y a Strauss qui lui. Est chargé de voir qui doit quoi à qui, etc. En gros, c'est l'envoyé de mission. On a Bill qui fait la surveillance. Et on a le chasseur aussi. Bon, j'ai oublié un petit peu tous les noms. On a Dutch, le boss. Donc, petit à petit, on commence à comprendre un petit peu le fonctionnement du camp. Et ça, c'est plutôt cool, je trouve. Hop. Voilà, hein. C'est toujours ridicule quand je descends de mon cheval. Enlever. Bon, on va l'enlever. On va aller le vendre et puis on va redonner l'argent, évidemment. On va redonner l'argent. Donc c'était par où? C'était par ici. Pas de dépecer, on va juste le donner. C'était exactement, je crois, ici, non? Voilà, fallait que je sois en face de ça. Ok, donner, c'est bon. Alors, j'aurais pu très bien le laisser sur le cheval. Ok, on donne pour les provisions. Allez, casse-toi, je vais plus te voir. Maintenant, on va mettre dans la cagnotte les trois dettes, qui sont plutôt bonnes en soi. Et puis, on aura bien aidé le camp, je pense. Allez, hop. Et bien évidemment, prochaine fois, on attaque normalement un braquage de train. On verra un petit peu ce que ça donnera. Votre part. Oh là là, dette, 31$. 31 putain de dollars. Le camp, il commence à être blindé. On a quoi sur le registre? Déposer de l'argent dans la cagnotte du camp, très bien. Contribuer, c'est quoi le registre? Ah, c'est les contributions de chacun? Non! Ils ont été jusque-là? Oh, le délire! Les premières pages du registre répertorient les contributions récentes de chacun des membres. D'accord. Chariot de Strauss augmente la quantité totale et ajoute des médicaments miracles. Il y a des sortes de missions, mais c'est incroyable!
Ah non, c'est ce qu'il a pu créer maintenant. C'est un délire. C'est un délire de ouf. Améliore les quartiers de Dutch. Encourage les autres à faire des contributions. Putain, on peut le prendre. Je l'achète. Oh, c'est tellement stylé. J'achète. Les quartiers de Dutch ont été améliorés. Les autres membres du camp sont à présent plus enthousiastes et contribuent davantage. J'ai acheté le truc le plus cher, frère. Mais voilà, petit à petit. Oh, c'est tellement stylé. Notre camp, il évolue vraiment. Fine. Our accounts are up to date. Sad sacks, a lot of them. Good, very good. My pleasure. Well, if it's pleasure you're after, there is one other. This farmer preacher fellow I met in Valentine, Mr. Downs. The opinionated little do-gooder? Yeah, I know the one. I certainly know the type. Thank you, Herr Morgan. There's no need to thank me. Like you said, it's pleasure I'm after. He's more slippery than he seems. I've tried being polite. Don't take any nonsense. Nonsense? Me? If he doesn't have the money, beat him. Well, I usually do. I know. I know. Et nous avons une nouvelle quête et une nouvelle dette qui me paraît plus importante cette fois. Mais on va s'arrêter là. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. On se retrouve très bientôt pour la suite de notre incroyable aventure. A bientôt tout le monde. Portez-vous bien. Ciao, ciao.